Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Obscur Massacre de Monstres Édition. La dernière fois, écoutez, on avait réussi à atteindre l'internat qui était fermé depuis des années. Hein. Nous y avons combattu vaillamment hein, et nous avions vaincu la dernière fois cette affreuse mocheté sur le sol. La Mother Beatles. Pas Motherfucker, hein. Mother Beatles. À mort le monstre. Et on avait récupéré des infos. Le coffre s'est ouvert. Oui, alors on avait récupéré aussi des infos qu'il y avait dans le coffre là. Toutes les preuves qu'il faut pour faire tomber Friedman. Ok. Et apparemment, il faut que nous nous rendions... Si je me souviens bien, attendez... Il faut qu'on ressorte et qu'on aille voir... Je crois qu'on avait retrouvé une autre bobine. Je crois, attendez. Non. Ah non, c'était pas une bobine. Non. Ah non. J'ai raconté de la merde. Ok. Ah oui, on avait trouvé une super... La clé du bureau secret. Donc il faut retourner à la bibliothèque. Ok. Eh ben, on va à la bibliothèque. Et je sens le monstre. Je la sens pas, chef. On va se faire casser la gueule. Freeze! J'aime pas ça. Trop calme. On se tire. Accompagné de Shannon et sa micro-jupe, hein. Shannon lâche tarbée. Elle pète des monstres à la chaîne. Ok. Apparemment, c'est par là-bas. Ouais. Attendez, j'inspecte. Bibliothèque, ouais, c'est ça. Je veux pas aller à la bibliothèque. La dernière fois, on y a rencontré des trucs pas sympas. Je suis pas chaud, du tout. Mais pas du tout. Attendez, voir. On va aller voir un truc. Ah. Salut les gars. Ça va? Bon, on a Kenny. On a retrouvé Kenny, au fait. Kenny, ici présent. Hein? Il a l'air d'être en état. C'est bizarre quand même. Parce que moi, la dernière fois, entre nous, moi, il y a un truc que je suis pas... Enfin, j'ai pas trop capté non plus. C'est comment Kenny a fait pour survivre, quoi. Si c'est quand même fait... Enfin, je sais pas, moi, dans le premier épisode, je me rappelle, il avait pris cher. Hein. Il s'était fait des boitons, hein. Et Dany aussi, paix à ton âme. J'espère qu'on te retrouvera. Enfin, j'espère... Tu seras pas, bah, enfin non, je doute, parce que bon, il s'était quand même bien fait des boîtes. Mais propre en plus. Attention, je la sens pas, là. On va se faire harponner. Freeze! Police nationale! Lâchez vos coupes de café! Et servez-moi-en un. J'aurais besoin d'un café à cette heure-ci. Non? Personne? C'est bizarre. On avait tout fait ici? Attendez. Ouais, on avait tout looté. Ok. Donc je présume que le bureau secret, c'est la porte qui a été fermée quand on avait cherché Friedman. Le motherfucker qui a enfermé Kenny. Herbert! What the... Ah, mais c'est tout caca par terre. Eww, il y a plein de poussière. Ah. Putain, il y a une statuette là-haut. Il faut des statuettes, au fait. On nous a parlé de statuettes. Statuette avec les mains dans le dos. Ok. Il y en a une là-haut. On fait comment? Ça doit être la porte là, je crois. Mais oui! Allez, on y va. Ah ah! Enfin, nous y voilà. Le fameux salon de Friedman. Ok. Donc c'est là qu'il doit... Ah ah. Putain, il y a plein de trucs africains et tout. Ouais. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Oh non. Méga quoi? Il y avait un truc marqué sur le carton. Méga store ou je sais pas quoi. Non. On y retourne. Veuillez excuser. Erreur de manipulation. C'est bizarre. C'est un début d'épisode trop calme. Je la sens pas. Ah, une lampe champignon. Bien, il me reste encore deux statuettes à trouver. Yes. Encore une statuette. Alors apparemment, oui, pareil, madame... Madame Wixon a connu un destin tragique. La pauvre femme. Alors en fait, du coup, ben Herbert et Léonard ne sont pas morts. Et en gros, c'est des espèces d'immortels parce qu'ils ont testé un traitement à base de superfleur de la mort qui tue, Mortifilia. Ok. Et Madame Wixon aussi, elle l'a fait le test. Et apparemment, ben, elle a subi... Qu'est-ce que... Encore une lampe? Oh putain, je crois qu'on vient de trouver la lampe de la muerte, là.
Elle peut utiliser le boost pendant un bon moment. Oh my. Je sais pas trop parce qu'attendez, la mienne marche bien en fait. Écoutez, on la garde. Archive 24. Ah bon? Archive. On a tout fait? Y a rien d'intéressant ici. Ok. Merci Josh. On se casse. On se tire. Alors apparemment notre mission est de retrouver des statues. C'est quoi ce bruit? Freeze! Y'a personne? Je suis armé! Je n'hésiterai pas à faire usage de la force! Létal si vous m'obligez! Putain! Et pourtant je suis habitué au son mais... Y'a un petit truc hein, quand même! J'ai toujours l'appréhension en fait. J'arrive pas à faire la différence entre le son normal et le son monstre. Oh, vous êtes encore là? Attends, v'là, connard! Friedman m'a injecté un truc. Je dois trouver l'antidote. Un antidote? Il y a donc un antidote? Vous êtes bien sûr? Oui, dans un labo derrière une grande porte d'après Mademoiselle Wixon. Mais comment comptez-vous trouver ce labo? Grâce à ce vieux plan des sous-sols. Un plan? Hé hey! Mais c'est... Oh! Vous allez... Oh! Ouais. Qu'est-ce que... Merde! Oh merde! Il est contaminé! À mort! À mort le bâtard! Hey, mon plan! Enfoiré! Non! Il m'a piqué mon plan! Yes, il a enculé! Il a bloqué la porte de l'extérieur. Il doit être contaminé lui aussi. Bah oui, il crache tout noir! Oh le fumier! Putain! Oui, alors c'est lui qui est responsable. Alors du coup, oui, au final, c'est lui qui est responsable d'avoir libéré les monstres. Oh, le motherfucker! Mon plan, le bâtard! Et je fais comment, moi, maintenant? Bon, encore que j'ai une bonne mémoire, enfin... Hein, entre guillemets. Ah, c'est ouvert, là? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu? Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver, ici. Ah bon, il y a quoi? Viens voir, viens voir. C'est quoi? Une trousse de... 12 trousses de soie, mon général! 2 Red Bull dans le godet! Au fait, on est dans quel état? Oh, mais ça va, en fait. On va essayer la porte, là. Putain, le bâtard! Bon, c'est décidé. Je recroise Walden. Il va goûter au fusil à pompe, hein. La mort ne sera que ta seule... hein. Ne sera ton seul salut, toi. Des colis, machin, ok. Ok, t'es fourni, rien. Pas très fourni, rien DVD, ok. Oh, statue! Plus qu'une statuette à trouver. Yes! Et apparemment, il y en a une autre dans les jardins de statues, ce qui paraît. C'est ce que l'autre disait la dernière fois. Donc, c'est parti. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Putain, on est dans la merde. What? Oh shit. C'est quoi? C'est quoi? Mouche. Ouais, ouais, toi aussi, crève. Non, moi, c'est crève. Putain, alors Shannon, elle vient de nous faire un carton, là. C'était magistral. Par contre, on va rester au F à pompe parce que j'ai plus de munitions du tout. Il y a plein de chariots de ménage, mais on voit pas les gens qui font l'entretien, c'est bizarre. Ils ont dû servir de bouffe pour les slugs. D'ailleurs, les slugs, on en voit plus là. Bah, saloperie de mouche, je veux. Freeze! C'est la guerre! Aïe! Meurs! À mort! On recharge, on y retourne! Ah, du scotch, mon général, parfait. Des munitions. Nous allons repasser à l'arme de poing, du coup. Shannon, reprends ton arme de poing. Y'a rien d'intéressant ici. Ok, on a tout ramassé, ça marche. Merci, Josh. Putain, mais son pouvoir à lui, il est trop bien. C'est un vrai Dyson, le mec. Et là, vous pariez combien qu'on va se faire alpaguer? Attention!
Non. Pousse-toi le chariot. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Ah bon? Ah. Un disque. Y'a rien à récupérer ici. Ok. C'est condamné. Allez, on y va. Je vous massacrerai tous avec Shannon, la tarée de service. Oh oh. Oh shit! À mort! Ok. Oh putain, Shannon, elle s'est fait un peu casser la gueule. Attendez. Par le pouvoir du heal spécial. Attendez, je regarde. Mais voilà, elle est réparée, Shannon. Bon, on va rester au F à pompe, hein. Munitions de fusil à... Oh shit. Un revolver puissant à 6 coups. On a trouvé le magnum. Eh ben... Oh, vous pensez à ce que je pense? Ah oui, on a une grenade aussi. Oh, j'ai une idée, chef. Attendez. Alors, scotcher la lampe. Ah, méga lampe de la mort qui tue. On va la mettre au revolver. Oh my fucking god. Les bureaux, je me demande pourquoi il les garde encore. Rien d'intéressant ici. Ah bon? Encore une armoire condamnée. Ok. Il y a un méga trou dans le sol. Ok. Putain, on a le magnum, ça y est. Ça veut dire qu'on va vraiment taper du gros monstre là. Freeze! J'ai un revolver, je n'hésiterai pas à m'en servir. Putain, puis la lampe, on peut s'en servir hyper longtemps. Oui, c'est un sabre laser en fait. Y'a rien à récupérer ici. Ok. Attendez, je check la map. Alors, attendez. La porte là. À l'assaut! Il est grand temps d'aller péter des genoux. Un coup de magnum. Y'a personne. Putain, alors Shannon, par contre, elle déconne zéro. Elle y va au F à pompe, elle. Hein. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Oh putain, oui. Microscope, des petites fioles comme un vrai labo. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Ah bon, quoi? C'est quoi ça? Petite fiole, labo, machin. Ah ah. Eh, vous savez quoi? Rien que pour le lol. À mort les fenêtres! À mort! À mort! Nique l'autorité! Va te faire mettre Friedman! Je te hais, toi et ta famille de taré! C'est encore pire que les Morton! C'est quoi ça? Y'a un sac sur la table. Y'a rien à récupérer ici. Si! Eh, j'ai que 20 balles par contre! Ah, mais attendez, je suis con! Regardez bien, déchargé. Et voilà. Bon écoutez, pour l'instant on reste au F à pompe, hein. Parce que je sens que le jeu va nous réserver une petite surprise. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Attendez. Ouais. Merde. On est enfermé, mais pour de vrai. Attendez voir. Chose qui me chafouine. C'est bizarre. Il y a un truc que j'ai pas vu à mon avis. Bon attendez, on retourne. On a peut-être raté une clé. Bah non, Josh a dit qu'il y avait rien. Monsieur Dyson a dit qu'il y avait rien, donc pour moi, il y a rien. Bon, bah on va aller voir. Et là? Et là? Non, il y a rien. Et là? Non, il y a rien non plus. Putain, faut faire quoi? On est enfermé, chef. Enculé de Walden. J'aurai ta tête. Je sais pas, moi... Ça c'est condamné, je vois que là. J'ai dû rater un truc. Je me suis cuté, j'ai raté quelque chose. Mais quoi, bonne question. Attendez. Mais... Regardez là. Là. Putain. Il y avait un passage secret. Mais quel con. Je l'ai pas vu. Ah bah oui, bah ça me dirait, c'est un passage secret. Shannon.
au fusil et au tableau. Allez, on y va. On peut pas. Attends, ah peut-être parce que. Attends. Voilà. Ah bah voilà. Attention au comité d'accueil. Attention. Bouge pas. Putain, j'ai éclaté la. J'ai éclaté l'étagère marron. Le coup il est parti. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. Yeah. Alors. Mais non mais. Oh là 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 là. On y retourne. Pitié pas les monstres. Putain, on a des gros. Hey, j'avais pas fait gaffe, il nous restait une grenade flash. Alors attendez. Apparemment, il reste quelque chose, d'accord. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Ah bon quoi? Ah, sur la table. OK. Il doit y avoir quelque chose. Oh, il y a encore un truc. Un CD, du scotch. Il reste quelque chose à faire ici. Ça? Je pouvais être au ski en même temps. Au même moment. Serrure a l'air fragile. Serrure n'a pas l'air très solide. OK. Shannon, au fusil. Oh putain. Mais qu'est-ce que ça fout dans une salle de classe ça? Je cherche plus à comprendre. Rien d'intéressant ici. OK. Bon, on a tout looté, ça marche. Oh putain, OK. Donc, il faut se barrer. On a une bobine, fallait à mon avis la regarder à l'amphithéâtre. Je vois que ça. Bon alors, attendez. Maintenant qu'on a un gun overpété... quoique, non, je me méfie. Vous avez vu tout à l'heure? On a eu le leurre. Hein? C'est genre... ouais, tiens, machin et tout, puis d'un seul coup, paf! On a un Cthulhu dans la tronche. Alors les Cthulhu, au final, ouais, c'est des échecs d'expérimentation. OK. Il y en a ramassé. Et bah voilà. Direction l'amphithéâtre. Faut aller voir la bobine, je pense. Allez, Shannon, on y va. Amphithéâtre, oui, c'est par là, je crois. On peut redescendre et après, il faut prendre le parking. Le parking doit être juste à côté, je pense. Allez, Shannon. Allez, Shannon. Mais... oh. Attendez, c'est là? Mais oui, putain. Allez, à l'attaque. Il est grand temps d'aller botter des culs. Et de péter des genoux. Oh, putain. Il y en a deux. Écoutez. Shannon, reste à côté de moi. Y'a pas de problème. Ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils sont où? Putain, mais ils sont où? Wouh! Ah, ah, ça bouge. Vu! Et voilà le travail. Shannon, ça va? Attendez, je check leur vie tout de suite. Impeccable. Allez, on taille. Putain, on les a déboîtés. Mais quelque chose de propre, hein. Putain, on les a attrapés, on leur a dévissé la tête, là, à coup de fusil, hein. Les machins, ils ont rien compris, hein. C'est affreux comme bestiole. Y'a rien à récupérer ici. OK. Bon, alors, on va aller regarder la bobine tout de suite, et à mon avis... il manque... attendez, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y avait une méga porte à côté du gymnase qui était fermée. Vous savez, de la zone internat et tout le bordel. Puis c'est tout. Il nous manquait un code, d'ailleurs. Je suis en train de tilter. Me dites pas que le code est dans la bobine. Je vois bien le délire. What? Putain, le bâtiment est en train de s'effondrer, je crois. Ça craque. Film 24. Ah. OK. Alors, Herbert, Léonard, Madame Wixon. OK.
Quand ils se sont installés. Ok. Oh, il est stylé le bureau. Alors, des études sur la mortifilia. Code 0582. Genre, c'est pas le code du portail quand même, si? Attendez, voir. J'ai cru voir une sorte de code. Attendez, je le note. Bougez pas. 5, 4, 1, 2. Ok. Bon, bah, y'a plus qu'à aller essayer, écoutez, hein. Putain, c'était ça! Ok! Ok! Bon, bah, on y va. C'est parti. Shannon! En fait, non, j'ai raconté de la merde, c'était de l'autre côté. C'était pas où il y avait l'internat. Shannon! En avant, en toute! Accès interdit. Projection. Salle des projecteurs. Ok. Ah oui, je comprends mieux. C'est moi ou le tableau, il est de travers? Ouais. Allez, Shannon! Allez, Josh! Putain, par contre, la musique, elle est en train de nous. La musique nous prévient que. Je crois qu'on est en train d'attaquer la fin du jeu, là, je pense, non? Je sais pas. Et il est où, Walden? Salon, il m'a piqué mon plan. Que j'avais moi-même piqué. C'est trop ça. Freeze. Alors attendez. Checkage vite fait, vite fait. Alors, faut prendre la note gauche. Tailler jusqu'au fond. Ok, ça roule. Allez, on y va. Allez, Shannon, on y va. Et pendant ce temps, Kenny, Stan et Ashley boivent un café dans la cour intérieure. Eux, ils ont rien branlé de l'aventure, en fait. Oh, mais ça va, c'est pas si grave. Ta gueule. Tu sais pas ce qu'on a vu. Shannon est bonne pour voir un psy, après. Et Josh aussi. Attendez, je crois que la porte était par là. Oui. Ouais. Très bien. Oui, si, c'était là. What? Oh, connard. Tu crois que je te vois pas, peut-être, hein? T'es toujours à la fenêtre, hein? Attendez voir. Je reviendrai m'occuper de toi après. Walden, c'est toi? Tu l'es. Oh, le bâtard, il nous a piqué notre plan. Et il est contaminé aussi. Alors, attendez. Ah oui, lève là la porte. Ok. Alors, attendez. Bougez pas. Que je ressorte mon papier. 05. 4. 22. Bouton vert. Jackpot! Promenons-nous. On va se promener dans les bois. J'aime pas ça, chef. Eww! Il y a des slogs morts. Regardez. Il y a des slogs décédés. Oh shit. J'aime pas ça. Je comprends ce que Chris, Barry et Jill ont ressenti quand ils étaient dans la forêt de Raccoon City. Il y a un cabanon. What the fuck? Et voir? What? Il y a quelque chose. Oh my! Oh shit! Contact! Oh putain, il y a un gros. Ok, ok, ok. Alors, on... Oh putain. Alors, attendez. Shannon, faut que tu me couvres. Oh, ça m'a l'air d'être le méga daron fusil à pompe. Alors attendez, vous savez quoi? Regardez, décharger, détacher, ruban adhésif, scotcher la méga lampe au fusil à pompe. Et voilà le travail. On est chaud comme la braise. J'entends que ça marche. Écoutez. Bon, on va aller traîner notre nouveau jouet. Recule! Oh, oh, oh la vache! Aïe! Oh la vache! Par contre, il one shot, hein. D'accord, il y a peut-être que deux cartouches, mais il one shot, hein. Oh. Ouais, ça va. Shannon a pris un léger pain, mais c'est passable.
rien à ramasser ici. Ok, merci Josh, on y va. J'ai pas aimé, j'ai entendu grogner. Un gros grognage. Putain, les slugs ils sont morts. J'ai entendu un Cthulhu. Chiette. Shannon, j'ai plus de munitions. Et voilà le travail. J'ai servi d'appât. Y'a un Cthulhu qui traîne par contre, j'aime pas ça. On a combien de munitions d'armes de poing? Allez, on y va. Ah. Shannon. Ah. Allez, on y va. C'est trop calme. J'ai entendu un gros tout à l'heure. Oh shit, il est là. Mange ça. Marche arrière. Vite. Mange ça, enculé. D'accord, 3 tirs du fusil là, ça tue tout. Ok, ça marche. Shannon, reste à côté de moi. Je me disais bien qu'on avait entendu Cthulhu. Il y a quelque chose d'intéressant par ici. Ok. Non, sérieux, je me sens dans la même situation que Chris, Jill et Barry dans la forêt de Raccoon City là. Oh, oh quel froid. Ah bon? Mais non, c'est dans la... Ah, il y a des poissons. Ah, ça... Oh shit, c'était quoi ça? Vite, Shannon, on passe le pont. C'était pas un petit... Oh shit. Recule. Putain, c'était pas des poissons normaux ça. Mais pas du tout. Écoutez, on va prendre à droite. Oh oh. C'est bizarre. Ça sent la technique de la sucette. Ça sent le coup de pute derrière moi tout de suite là. C'est bizarre. Bon écoute Shannon, on y va. On est courageux, on est fort. Cthulhu a ravalé ses mandibules. Enfin ses tentacules. On lui a enfoncé dans le cul tellement profond qu'il est parti se réfugier dans sa cité. De Herlier, je crois que ça c'est. Oui, c'est Herlier, oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc. Devrait pouvoir détruire ce mur. Ok, ça marche. Par contre, Shannon, faut que tu me couvres. Mange ça, le mur. Meurs, le mur. J'ai réussi. Ah bah voilà. Mais oui, je savais, Josh, que tu réussirais. Tu es fort. Alors là, attention. Putain, je m'attends à voir un Cerberus sortir d'un buisson pour me défoncer la tête. J'essaie de garder une oreille attentive. Putain, à droite, regardez au bout. Il y a la statue. C'est trop facile ça. Mon instinct de joueur me dit que ça pue le pâté, vous voyez. Regardez, c'est trop facile. Ça sent le coup de pute. Mais vraiment. J'aime pas ça. Ok, alors on a trouvé la sortie là, d'accord. Shannon. Follow me, please. Bon écoutez, moi je vais sortir le magnum. Je l'inaugure, on va étreiner notre nouveau jouet. Oh oh, j'aime pas ça. Grande place, ça veut dire des monstres. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. Ok. Chien, il est où? Il est où? Au loin, je le vois! Freeze! Motherfucker! Feu! Oh la vache, le combo qu'on vient de lui mettre! Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. C'est l'enfer ici.
Sortons de ces bois au plus vite. Oui. Et là, derrière. Nyeh, ça tue le bordel. C'est Calamity Josh. Oh la vache. Putain, on l'a défragmenté. On a défragmenté les monstres. It's a high noon. Et t'as vu Shannon? Avec un 6 coups. Par contre, déjà sympa. Non, ça a l'air d'être bon. Allez. Vite. J'ai déverrouillé la porte. Ok. Il y avait un slog. Hein. Bon bah le slog, fuck you, on se casse. Attention, 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 attention. What? On est revenu là où Kenny s'est fait kidnapper. Kit de soins, 13 kits de soins, monseigneur. Putain. En fait, ça va le mode normal. Et c'est gentil quand même. Hein. Oh. De la baston. La maison du mystère. Je vois déjà mon article. Ouais, si on s'en sort vivant. La porte est fermée. Ok. Ah 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 ah! Freeze! Your motherfucker! J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Ah bon quoi? Ah 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 ah! Red Bull pour tout le monde! Il doit y avoir quelque chose d'intéressant par ici. Ok. Y'a encore un truc. Mais quoi? Y'a quoi? Y'a quoi, chef? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il manque? Ah, ah! C'est quoi? C'est quoi? Un bout de levier, ok. Y'a rien d'intéressant ici. Ok. Shannon! Au rapport! Putain, c'est Calamity Josh! Wouhou! 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 Pas les monstres. Freeze! Ah merde, pardon les chauves-souris, je vous ai encore dérangé! Oh, ça c'est miam. Munition de revolver. 46 bastos. Y'a un truc qui fait glouglou. Ok. Y'a pas une arme? Non. Ok. Manque quelque chose au mécanisme. Oui, du genre ça. Oui. Vous savez quoi, messieurs, dames? Regardez. Je vais faire une petite save avant de descendre là-dedans, parce que la dernière fois, Kenny a connu un destin funeste. Ok, c'est enregistré. Moi, je suis... Eh, hey, entre nous, hein. Je suis sûr que c'est pas Kenny. C'est pas possible. Allez, Shannon! À l'assaut! De tous ces mécréants! Tous autant qu'ils sont. Ils connaîtront la mort. Oh, putain! C'est quoi? Munition de F à pompe. Oh my. Allez, on y va. Et comment t'as fait? Et comment Kenny a fait pour survivre? Il s'est caché dans un trou, c'est ça? Et Ferryman l'a ramassé après? J'ai pas compris là. Allez, on y va les gars. Attendez voir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ok. Qu'est-ce que... Attendez, il y a un truc par terre, là. C'est quoi? Non, il y a rien. Il y a des racines. Il y a un truc. Et voilà! Des munitions de fusil à pompe! Il y a rien d'intéressant ici. Ok, on y va. Merde! Ah oui, la porte! Arraché par Dan. Pas par Cthulhu. Oh putain, il est où? 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 Je le vois pas. T'es où, enculé? Tu vas subir la mort! T'es où, bâtard? C'est quoi ça? C'est quoi? Ah ah! Alors, mutation post-traitement. Type 1. Atteinte mélanomique généralisée à l'exposition prolongée aux UV créée chez tout individu de micro-cancer combattu par les cellules grâce à des protéines spécifiques. Le traitement annule la création de ces protéines.
Le sujet développe alors de nombreux cancers de la peau. Ces cancers réveillent les propriétés mutagènes endormies du traitement. Le cancer se généralise et donne souvent des naissances aux mutations de type 2, 3 et 4. Putain, il y a les mouches au-dessus. Et on dirait les espèces de... Oui, c'est ça. Et à droite, regardez sur les photos. Il y a des... Comment... C'est Mother Bitos. Ok. Type 2. Polytrophie des membres. Très fréquente, cette mutation provoque chez le sujet une hypertrophie ou une hypotrophie d'un de ses membres. Elle se manifeste par le surdéveloppement du bras, de seulement quelques phalanges, de la langue, etc. L'hypertrophie est parfois généralisée et donne naissance à des plaies souvent gangréneuses. Type 3, déplacement du système nerveux central. Le système nerveux est relayé puis remplacé par un système nerveux hybride. D'accord, donc la tête n'est plus à sa place. Le symptôme est spectaculaire car la tête est délaissée au profit d'autres organes. Celle-ci est parfois perdue par le sujet après de longs jours laissés sans afflux sanguin. Fusion, type 4. Dans un environnement non stérile, le sujet entre parfois en contact avec des corps étrangers. Il est pas arrivé que ces corps, mouches, amibes, fusionnent avec le sujet. Les résultats sont très variables, on ne reconnaît parfois que très peu l'individu originel. Ok, d'accord. Ah la vache, mais c'est crade. Yactoulou. Bâtard, t'es où? T'es où, bâtard? La caisse bloque le passage. Ouais, mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois! À gauche! À gauche de votre écran, regardez! Il est là, le bâtard. Eh bah, vous savez quoi, regardez? Putain, il est là! Attendez voir qu'on le regarde vite fait. Ouais, c'est ça, en fait! C'est un Cthulhu! Il a plein de mandibules, enfin des tentacules à la place de la bouche. Les bras, ils sont gigantesques et tout. Ok, c'est parti! Spring! Oh oh. Oh oh. Y'en a un deuxième, bordel! On fait le plein. Shannon, on refait le plein, c'est parti. J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. D'accord. Putain, Cthulhu, on l'a déboîté. La porte a été littéralement projetée. Oui, 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 oui. Yew, c'est quoi ça? Red Bull! Kit de soins! Mais oui, c'est la teuf, bordel! Allez, on y va! Point, 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 point. Alors la musique qui a pété du rythme là. Attention. Freeze. Oh putain. Y'a plus rien à ramasser ici. Eh, croyez que Dan est là? Le fantôme de Dan est-il dans la pièce? Dan, t'es revenu ou pas? Il est là? Putain, il est revenu! Dan! Mais non! À mort, Dan! Je suis désolé, Dan. Vraiment de crever pour dormir là-dedans, oui. Je suis désolé, Dan. Repose en paix. Moi, je suis sûr que c'était Dan. L'esprit de Dan est en paix. Ça y est, nous lui avons donné les derniers sacrements. Un coup de 9 mm et de calibre 12. Oh shit. Mais il se passe quoi, bordel? C'est quoi les tremblements de terre, là? En fait, je crois que c'est Friedman, il est en train de faire péter les bâtiments un à un. Wow, on est où là? La vache, il y a un truc qui tape. C'est quoi ce bordel? Un CD. Il y a quoi bien? On dirait une cuve comme dans Resident Evil où les Hunters ils sont enfermés. Et ça, c'est quoi? Du scotch. Et ça, c'est quoi? Ah, sujet 22. 17 février, âge 17 ans. Résus O négatif. Préparation d'essai numéro 1735. Oh la vache. Préparation en conditions stériles pendant 50 heures à 37 degrés et à 7,2 mg par millilitre de XGM. Et 100... je sais plus quoi, de méthylgliozac. Préparé dans un tampon de phosphate de 100 machin, pH 7,8. Temps d'exposition aux UV après injection de l'agent, 72 heures. Temps d'attente avant injection du traitement, 20 jours.
Niveau de pathologie, niveau 3, métastasique, ok. Réaction au traitement, jour 1, état général, pathologique, stable, température 33 degrés. État, jour 2, état général, pathologique, instable, température 38 degrés. Jour 3, état général, nombreuses hémorragies, température 43 degrés. Échec, mort du sujet. Conclusion, chez l'homme, l'apoptose des péricytes induites par l'IgM est gouvernée par l'induction d'un stress oxydant. Il faut contrôler ce stress. Ok. Ça c'est quoi? Ah, une Red Bull. Cette chaise me fait penser à une chaise de condamné à mort. Oh, tu m'étonnes. Vous savez quoi? On va tenter là. Allez. Je me sens lucky. Allez, on tente. Allez, c'est parti. On y croit. Oh shit! Aïe! Le bâtard! Ouch! Recharge! Oh, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Josh? Ouais, ça va, Josh, c'est bon. Bon, on va arrêter de faire le con. On va repasser au motherfucking fusil de chasse. C'est quoi? J'ai jamais vu de plante comme celle-ci. Alors voilà, de la mortifilia, d'accord. C'est une plante qui est vivante. Ok, enfin vivante, oui, une plante est vivante. Mais là, oh la vache. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Oh oui, 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 oui. Aboul, y'a de la Red Bull. Aboul, parfait. Ok, là ça met nous, chef. Où qu'on va? On va où? What? J'en suis sûr, il reste un truc à ramasser par ici. Ah bon quoi? Je vois rien. What? La grosse porte! La grosse porte! On touche au but! On va peut-être pouvoir se soigner, bordel de merde! Enfin! Ok, c'est enregistré. Bon alors, je crois qu'on vient de trouver la fin du jeu. Madame Wixon, elle avait dit que c'était derrière ça qu'il y avait l'antidote. Ok. Donc bah écoutez, on va refaire un tour. Je voudrais aller voir ce qu'il y a en bas. Il y a des racines partout. Attention, j'aime pas ça. Freeze! Putain, le machin il a rien compris. Putain, les racines elles bougent et tout. Ah, ça bouge. C'est creepy. Ta-ta-ta. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ok, y'a quoi, y'a quoi? Oh, y'a rien d'intéressant ici. Ok. Le paillasse est inutilisable. Ok. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. La musique qui pète un câble. Attention. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Alors attendez. Quoique si, allez on y va, merde. What? Oh non. Mother Pitons à mort. Non, 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 non. Kenny, Josh, pardon. Meurs. Putain, alors par contre Shannon, elle déconne zéro là, ouais, pas pompe, hein. À mort. Mutant. Monstre plante de mes deux. You. À mort. Vas-y Shannon, fume là. Et voilà. On dirait bien que c'est mort, mais je ne veux pas les vérifier. Vu qu'avec ce qu'elle vient de se bouffer dans le...
Ok. Ouais, c'était ça. Oui, parce que j'ai vu des trucs ronds pour moi. Oui, ah bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, utiliser. Ok. Oh non, il refaut un levier, putain. Ouais, mais il y a une pièce qu'on n'a pas été voir encore. Alors attendez, j'oublie pas, hein. Parce que là, je suis sûr que ça fait partie de la fin. Donc moi, je vais faire demi-tour, hein. Et on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on a oublié une pièce. Oh non, la musique. Elle s'énerve encore. Oui, alors du coup, c'est des monstres aux plantes. Putain, c'est trop ça. Un Shannon. Les statuettes sont bien mises, mais il manque encore quelque chose. Oui. J'ai compris. Et je présume que ça ressemblait à un générateur. Ça ouvre la méga porte. Mais moi, je fouille partout. Parce que ça se trouve, il y a du miam. Y'a pas un lance-roquette qui traîne? Oh putain. Alors d'accord, les tremblements de terre, ça venait de derrière la porte. Mais j'aime pas, parce que s'il y a des tremblements de terre, ça veut dire qu'il y a un gros truc derrière. Y'a un méga monstre aux plantes, ça se trouve. On va aller voir ce qu'il y a par là. Freeze! On est où là? Ah. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Qu'est-ce qu'il y a de beau là? C'est quoi? Oh merde, c'est comme ça qu'ils sont faits les gollums! Ok! Enfin les monstres plantes, pardon. Alors, stade 1, c'est un étudiant normal. Stade 2, il s'énerve. Stade 3, il pète un câble. C'est répugnant, mais qu'est-il arrivé à ce malheureux? Il s'est transformé en monstre plante. Et Jake n'était pas là. Attendez, moi je vais aller voir. Pourquoi est-ce que... Alors ça, c'est poussable, normalement. Pousse! Non, c'est pas le bon sens. Y'a un truc qui respire! Oh oh. Y'a un truc qui respire. Tu entends? J'entends derrière la méga musique. Meurs! On recharge. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? What the fuck? C'est quoi de ça? C'est un laser! Viens voir. Qu'est-ce que c'est? Viens voir. Oh putain, je crois que c'est une Gatling. On dirait une Gatling. Viens voir, ça fait quoi? Oh putain, c'est le Technival. Putain, mais c'est pété comme truc. Je suis sûr que ça one shot ça, par contre. Bon, écoutez, on se la garde là. On va voir. Moi, je me garde ça de côté. Merde, du coup, on vient d'où? Je sais plus. C'est un Technival en fait. Il y a une échelle là, il y a une porte là. La musique qui pète un câble. Bah, on vient de là. Genre moi. Attendez voir que je ressorte mon plan. Putain, bah, on est déjà venu là. Attendez. Ouais. Non, bah c'est bon, on fait demi-tour, chef. On a fait le tour. On se casse. Putain, j'ai gagné un canon laser. Par un Technival dans le sous-sol. Ah ah. Et je présume que ce joli petit... ça nous permettait de revenir si on avait oublié... Ben, si on avait oublié la statue, d'accord. Ouais, mais on l'a, donc c'est bon, on peut se tarer. Ok. Oh, le bâtard! En fait, il avait accès directement ici! Et je comprends comment il a enfermé Kenny. La porte là, on l'a faite ou pas? Ah, merde, si, oui, non, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Excusez-moi, messieurs, dames. Ouais, bah aussi pire. Puis à Walden, il nous a piqué notre plan, le bâtard. Et bah, du coup, le laser, ce sera pour sa race. On lui va griller sa face. Alors, écoutez, on y va, hein. Bon, on repart, écoutez, hein. Écoutez, on va retourner à la salle du générateur.
putain, mais en fait, le Friedman, il est pété. En fait, il faisait des... il relevait les évolutions. En fait, oui, bah alors, il y a un truc que je comprends. Ah oui, j'oubliais, Léonard. Il a testé le traitement sur lui et il a muté. Mais en quoi? Parce que j'aime pas ce que j'entends. C'est... pas rassurant. Ouais, c'était par là. Enfin, je crois. Sans en être certain. Et apparemment, il y a un antidote. Ouais, c'était là. Ah. Ah bah voilà. Pour moi, qui dit méga racine, dit méga plante, hein. Il y a un méga monstro plante, hein. Qu'on n'a pas vu encore. Oh putain. Vous savez quoi? Attention. Grenade, bande d'enculés! À mort! Putain, j'avais l'impression qu'il y en avait plusieurs en plus. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ah bon, quoi? Ah oui, je le vois! Attendez, il y en a un là. Oh les bâtards, il y en avait deux! Ce sont des munitions de fusil à pompe, ok. Ouais, ben c'est bon, hein. J'ai pété une AOE pour tuer tout le monde, c'est bon, merde. Hein. Et ça, c'est quoi? Encore une grenade, impeccable. T'as rien d'intéressant ici. On va essayer par là. What? Passe quoi, chef? On est revenu dans les cages. Ok, je vois. On est de nouveau là où il y a les cages. Ok. Shannon, on se tire. On a fait le tour, c'est bon. On se casse. On évacue. Point, 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 point. Et puis la musique. Il manque encore quelque chose. Oui, je sais. Il manque un levier apparemment. Faut avoir fait ça un cirque pour avoir compris ça. What? Pourquoi la musique est devenue creepy? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Munition. Oh putain. Putain, j'ai le boomstick par... ça ressemble au... putain, on est où là? Je suis plus chaud là. On va essayer la porte numéro 1. Ça m'arrange. Porte creepy numéro 1. C'est bon, ça m'arrange. Porte creepy numéro 3. Portel, on est où là? Oh non, c'est des cellules. Mais non, je voulais pas sortir. Putain, puis ça crie. Personne? Dany, c'est toi? Ton esprit est revenu me hanter? Ah, ça sais-tu? Ah! C'est quoi? Oh non! Dany? Dany? Dany, c'est pas moi qui t'ai tué! C'est Cthulhu! C'est pas moi qui t'ai pris la tête! Je te le jure! Putain, c'est creepy! On se tire! C'est bon, stop là! Stop! Arrêtez les frais, mon général! Ouais, je suis pas chaud. Pariez combien qu'on va se faire péter les dents au retour? Putain, on a Shannon en mode pim derrière dans le noir. Eh, Shannon. Merde, ça redescend pas! C'est à usage unique! Merde! Oui, donc apparemment, c'est un tubos, ça, je parie. Enfin, pour moi, c'est mon opinion. Oh non!
Bon, on se casse, hein. Et je parie que le joli petit levier, il va là. Mother Bito, s'est-il redebout, s'est-il relevé? Apparemment, non. Ouais. Yes! Weinman, enculé! T'auras pas l'antidote, c'est moi qui l'aurai. Même si je dois te vider de ton sang pour ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Je crois qu'on vient de mettre en... La porte! Aïe! Le bâtard, il va nous piquer l'antidote! Vite! Shannon, bouge-toi le cul! Arrête de faire la pime, puis faut qu'on aille récupérer l'antidote, sinon on va se transformer en monstre plante! Shit! Monstre 0, Josh et Shannon 2. Bref, faut qu'on se bouge le cul, parce que je crois bien que sinon Weinman va nous piquer dans l'antidote! C'était par où? Là! La porte! Open the door! Arrêtez, Walden, ce n'est pas une solution! Oh oh! Vous mentez! Mais il ne vous servira plus à rien! C'est l'antidote! Donnez-le-moi, tout de suite! Vous avez été trop exposé à la lumière! Non! Vous ne pourrez pas! Donnez-moi l'antidote ou je tire! Oh oh! Votre mutation a déjà commencé! Oh shit! C'était moi qui voulais le tuer, bâtard! M'en fous, t'es le deuxième sur ma liste. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Oh oh! What the fuck? What? Oh putain! Oh shit! Oh là 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 là! Oh là là! Au secours! Ah les copains! Oh putain, Kenny il est toujours mal! Kenny il est toujours en PLS! Putain, je crois que c'est la fin du jeu en plus! On dirait ça. Des munitions! Des trousses de soins! Oh putain, merci Père Walden! Va te faire enculer au passage! Là je crois que c'est le boss de fin! Hein. Hey! Walden! Enculé! Eh, vous savez quoi? Eh, rien que pour le lol. Parce que je sens que, hein, allez. Explorons ces lieux. Non, reste ici. C'est sinistre. Ok, je bouge pas. Vous savez quoi? On va prendre Kenny. Je te suis. On va se prendre Kenny, hein. On va se la jouer en mode YOLO style. Regardez bien. On va tout donner à Kenny. Je dis bien tout. On va prendre Kenny. Je viens avec toi. Voilà. On va tout donner. Je vais me la jouer en mode YOLO style. Je pète la forme. Eh, regardez bien. Je vais me la jouer en mode commando. Je sens bien le boss de fin. Eh, vous savez Entendu. Quoi? Allez. Je reste là. Je vais me le soloter le boss. Parce que là, vous savez le gros truc qu'on vient de voir. Je suis sûr que c'est le boss de fin. Donc, voilà. On a tout préparé. Regardez bien. Boss de fin, là, je suis sûr. Pour moi, c'est le boss de fin, là. Parce que Walden est mort. Friedman est mort. Donc bon bah écoutez, hein, souhaitez-moi bonne chance et on est parti. Bâtard de Weinman. Mais du coup on a plus d'antidote. On est dans la merde là. Vraiment plus. Léonore. Excuse-moi. J'avais enfin trouvé la formule. Merde, c'est Léonore. C'est le géant vert. Oh merde. C'est le géant vert! Oh putain! Oh putain! Ok! Compris! Je viens de comprendre! Wallah!
Ok, j'ai compris. Lumière. Putain, il fait des AOE. Oh putain, oh putain, oh putain. Ah. C'est Léonard. Je vais te niquer, le géant vert. Enculé de géant vert. Oh putain. Aïe, aïe. Ouch. Un trou, impeccable. Wow. Comme tu dis, Léonard. Ouch. Wouh. Putain, il fait des AOE. Oh, 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 oh. À mort le géant vert. Oui bah alors si c'était pas obvious hein, moi je veux des méga tentacules qui accrochent au plafond, je tire, point barre hein. En fait merci l'autolock pour ça. On l'a niqué, ouais. Oh merde, il fait jour. On s'est pas soigné. On est dans la merde, chef. On va se transformer en monstre plante. On est foutu. C'est la fin, chef! Me dites pas que ça se finit comme ça! On va se transformer en monstre plante, c'est ça? Oh non! Ah! La valise, oui! Oh putain, Kenny! Kenny, tu gères! Allez! Ça fera pas mal, t'inquiète pas! Oh putain! Le géant vert! Le géant vert! Oh putain! Hop là! Mange ça! Ouais! Attention, attention, attention! Ouais! Aïe! Bâtard! Pleine forme. Mange ça! À mort! Aïe! Ta gueule! Oh putain! Wow! Mais il nous tape! Il nous. Je suis en pleine forme! Le mec réant! À mort! Aïe aïe aïe! Il me frappe le bâtard! Aïe aïe! Aïe! Je suis en pleine forme! Mec réant! À mort! À mort! À mort! À mort! Aïe! Ah! Game over, enculé! Cuit à point le bâtard. Meurs. Et voilà. Décédé. Même le squelette il avait muté et tout. Ah. À mort enculé. À mort. Stan, qu'est-ce que tu fais? Stan? Stanley, qu'est-ce que tu fais? Oh. C'était ses racines à Léonard, d'accord. Alors là, c'est toujours aussi moche. Eh, vous savez quoi? Séance de psy chez tout le monde après. Wouhou. Croyez qu'il faut des tarifs de groupe. Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu fais, Stan? Oh oh. Oh shit. Ok. Putain, on s'en est sorti quand même! Yes! Putain! Avec la zik qui va bien derrière! Ouais! Putain! Alors. Bah. Du coup, en fait, on a gagné. On a massacré Léonard à la fin.
Weinman est mort. Herbert aussi. Et puis bah écoutez, ouais, c'est méga win. Oh putain, c'est une musique. Le seul endroit où l'on juge pas. Il attend et attend un attentat. C'est tentation. Démon, gère mes pulsions meurtrières. Urène de Lucifer et d'une orgie suicidaire. Ah bon? Flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer. Sur la brèche, on est tous. Ah, je vous laisse profiter. Par une club. Ah, on peut enfin s'entendre parler. Alors, donc, apparemment, bah du coup, à la fin, nous avons rencontré Leonard Friedman. Et dans des notes, on avait vu que ben il avait testé le traitement, apparemment pour devenir immortel. Sauf que chez lui, vu qu'il a été il s'est exposé à la lumière, ça l'a fait muter. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que Herbert, bah Friedman, le directeur, rester à l'ombre au début. Vu que le traitement... en fait, le traitement allonge votre durée de vie. Mais... Je dis bien mais... si vous vous exposez aux UV, vous mutez. Donc en fait, vous passez après votre vie dans le noir. Ok, d'accord. Et apparemment, tout ça, c'est dû grâce à la fameuse fleur, la Mortifilia. D'accord. Les fleurs qu'on a vues à la fin, qu'il y en avait partout, là. Dans des espèces de serres. D'accord, je comprends mieux. Putain, mais wow, c'était... Franchement, ouais, putain de jeu, quoi. Oh la vache. Eh, je le mets, allez, sur une... Allez, je lui mets un 7 sur 10, franchement. Eh, j'ai trop kiffé, hein. Ah. Regardez le jeu. Oui. Regarderai ici. Non, il y a des unlockables. Attendez voir. Alors, making of. Découvrez les coulisses du développement d'Obscur, ok. Vous avez débloqué la batte cloutée. Mais oui. Ok. Le laser gun. Oh my. Ça a l'air très dangereux. Très létal. Utilisez mode boost pour activer le laser. D'accord. Et c'est genre le même laser qu'on a eu là. C'est quoi ça? Tenue spéciale. Ashley.
D'accord, on a débloqué des costumes. C'est quoi ça? Somme 41 Still Waiting. Alors ça, c'est les deux musiques qu'on a entendues. Alors celle-là, c'est celle de la fin. Et celle-là, c'est celle du début. Ah, c'est quoi ça? Terminer le jeu en mode difficile pour débloquer ce bonus. D'accord. Et ça, c'est quoi? Terminer le jeu en mode spécial pour débloquer ce bonus. Ah, mais non, mais moi, je veux pas. Oh non, mais moi, je veux. Non, mais... Mais non. Mais non. Oh, l'image, elle a changé en plus. Comme dans Resident Evil Rebirth. Et genre, c'est... Ah, et là, on peut jouer en mode difficile. Ah, ah. Eh, mais je peux pas vous laisser sur votre fin comme ça, messieurs, dames. Vous savez quoi? Hein? Avant d'attaquer la suite de Obscure, hein, Obscure 2, du coup, The Aftermath, on referait une run avec un mode alors regardez bien. On fera le mode spécial et en mode difficile la prochaine fois. Alors là, je crois que ça va. Alors, déjà le début était chaud en mode normal, mais là je sens que on va se faire casser la gueule mais puissance 250 là, ça va être ouille. Mais par contre, on aura ça. Et moi je veux voir ça aussi. Ouh, putain, ça a l'air d'être bon. Putain, ça a l'air d'être bon en plus. Venez voir les costumes. Oh là 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 là. Kenny en vert et orange. Eh ben, c'est ce que je disais, c'est Kenny de South Park. Ah, mais moi je veux voir, c'est quoi les unlockables là? Ouais, moi je voudrais voir. Je veux voir moi. En plus, on aura des guns spéciaux et tout. Mais moi je veux voir c'est quoi ça, parce que ça a l'air d'être miam là. Ça a l'air d'être juteux, ça. Parce que si on nous met un unlockable comme ça, ça veut dire que ça va être bon. Mmh. Oh, et puis merde, si je vous referai une deuxième run avant de m'attaquer à Obscure 2. Hein. Merde. Hein. C'est bon, hein. Moi, je veux pas... j'aime pas faire un jeu à moitié. C'est comme quand je joue à Carrion, je l'ai fait à 100%. Hein. Oh, putain, ça me démange, du coup. Merde. Hein. Oh là là. Et ça, c'est quoi? École vide, quelque chose de caché, le premier, faire péter un mur, encercler, Herbert Freeman, c'est qui Herbert? C'est quoi ça? Suivant, Wixon et Léonard, la reine, donne-nous l'éternité, endroit infesté, Wixon, la... Ok. Hein? Histoire du jardinier. Non, attendez, c'était quoi, non? Attendez. Gardener. Oui, c'est ça. Ouais. Inman. Trouver Léo. Dernier combat. La mort de Léonore. La mort. La fin. Ok. Il y a toutes les musiques que le cœur a fait. Non, trop bon. Bon, écoutez, moi je peux pas rester comme ça sur ma faim, merde, hein. Ah, ils font chier, hein. Merde à la fin, j'ai faim moi du coup, hein. Je veux voir c'est quoi les bonus là, parce que si c'est des trucs unlockables en hard et tout, ça veut dire que ça va être du bon. Moi je veux voir, merde, hein. Bon, écoutez, c'est décidé. La prochaine fois, avant d'attaquer Obscure 2, je vous ferai Obscure en run hard avancé. Enfin, hard spécial. Voilà, bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle run hein, sur ce jeu. Où j'espère que cette fois-ci, le challenge sera à la hauteur. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous avez vu à la fin les soins qu'on avait. Et j'ai pas tout claqué, hein. Et j'ai été assez... Entre nous, j'ai quand même été assez bourrin avec les munitions, hein, quand même. J'en ai quand même pété un sacré paquet. Hein. Bon, enfin bref, je vous dis à la prochaine, en espérant que ça vous ait plu. Si ça vous a plu, vous vous abonnez, machin. Je ne vous oblige à rien, il n'y a pas de souci, mon général. Et puis, ben, écoutez, je vous fais partager mes expériences vidéoludiques, comme toujours. Allez,
Ciao, bye bye, et à la prochaine.